parce que Karim il a travaillé très bien. À le début de la saison, il avait un petit peu de problèmes à le début, mais après, il marque tous les matchs, il a une très bonne condition physique et mentale. Et j'espère qu'il va ici à la fin de la saison. Non, on a eu problème d'équilibre à le début. On a pris beaucoup de buts. Le premier match qu'on a joué, on a manqué un joueur très important comme Xavi Alonso. Después, après, Xavi Alonso il est rentré et l'équipe il a trouvé un bon équilibre. Et maintenant, l'équipe il joue bien. C'est difficile de dire parce que la Ligue des Champions est une compétition très, très importante pour tout le monde, très, très difficile. Il y a beaucoup d'équipes. Ils sont très très dangereux. On va voir ce qu'il passe parce que je pense que surtout cette année, les meilleures équipes ils vont jouer le quatrième de finale. Alors, je pense que tous les matchs sont très très difficiles. Il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup d'expérience, il a beaucoup d'enthousiasme. Il est la première fois qu'il est entraîneur adjoint. Il est en train d'aider beaucoup. Moi, dans le travail, et je pense que le futur de Zizou sera comme un très très bon entraîneur. Je pense qu'il a amélioré beaucoup cette année. Il a amélioré la confiance, il a amélioré la personnalité de l'équipe. Il a une équipe dangereuse en Europe. Je pense que il a fait un grand match contre Leverkusen, il va le quatrième de finale et on va voir. On va voir le tirage, mais comme a déjà dit, Paris Saint-Germain il est une équipe forte, dangereuse. Et si on doit jouer contre le Paris Saint-Germain le quatrième, on va jouer. C'est difficile de comparer parce que son équipe a différentes caractéristiques de jeu, différents joueurs. C'est impossible. Bon, j'ai un très bon souvenir de Paris. Je souhaite que le travail d'entraîneur, tout doit changer, mais le souvenir de Paris est très très bon pour moi. Non, je n'ai pas eu beaucoup de fois. Elle jouait, il a une très bonne qualité, il est en train d'améliorer, il joue en l'équipe juvénile et j'espère pour lui le même futur de son père. Merci à vous, Carlo. Merci, monsieur.